Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les colos terminés du mois d'octobre. J'ai du retard, hein, voilà, déménagement oblige. Désolée. Du coup, j'ai dû me mettre, mon installation, je sais pas trop comment me mettre maintenant avec mon trépied, mon appareil, tout ça, c'est compliqué. Mais bon, on va faire comme, comme je peux. Donc, tout d'abord, celui-ci, je ne voulais pas montrer, il me semble. C'était pour le colo défi de d'Isiac sur le thème cocooning. Donc c'est une illustration de Christine Caron dans le Fairy and Fantasy 2. C'est le Polar Bear Comfy Evening. Voilà, je le trouvais vachement cocooning, donc... Je l'ai réalisé avec en fond les aquarelles d'Ava Calligraphy. J'ai utilisé pour le bas, c'est du néocolore il me semble. Le haut c'est des aquarelles d'Ava, c'est je sais plus quelle teinte. Je crois qu'il y a du ginger. Et là ça doit être du marguerite il me semble. Je sais plus trop, mais là c'est du néocolore. Sinon on a du Prisma. Du luminance, mais j'ai du mal à utiliser mes luminances. Voilà, pour le pull, j'aime pas. Du Windsor et Newton, du coup, bah, pour les étoiles, je pense. Tout ce qui est doré, sauf les lunettes, quoique. Et du hybride Ali, ouais. Donc les lunettes, ça doit être de l'hybride. J'avais commencé avec le Windsor et Newton, mais faut tout le temps le mélanger. C'est un peu chelou. Donc... Donc à la fin je finis avec l'hybride d'Ali. D'ailleurs j'en suis à mon deuxième et il va falloir que je rachète je crois. Voilà, mon petit colo où j'ai fait les petites dédicaces à Ava, Christine Caron, Lysiac et Taz. Voilà. Mais voilà, c'est un ours polaire, j'aurais dû le faire blanc. Hein, voilà. Du coup là il est un petit peu ton sur ton, mais bon. Je l'aime bien qu'il m'aime. Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans... j'espère qu'il va rentrer dans le... Ça m'étonnerait. Voilà, dans le grand portrait. Du coup je suis devant ma fenêtre, donc voilà, il va y avoir des brillances, des machins. Ouais. Alors, le galerie de portrait, je l'ai entamé et j'ai fait... Un colo pour groupe Facebook, il me semble. J'ai fait Flash de Zootopie. Où j'ai utilisé des prismas. Pour le fond, c'est du prisma. Pour Flash, c'est du prisma aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les Intense. Pourquoi faire? Pour là l'insigne de l'hybride Ali, hein. Voilà bien entendu, hein. L'hybride et du Midas, et sinon des stickles au niveau de la plaque, mais bon, comme d'habitude quand je mets du stickles j'attends pas. Voilà, je le fais en plein milieu de mon colo, du coup je finis par mettre les doigts dedans, enfin je suis pas possible que de le faire juste avant d'aller me coucher et puis d'attendre que ça sèche, hein. Donc ouais, un petit peu de stickers dans la plaque d'immatriculation. Sinon, bah ouais, c'est beaucoup de prisma. Voilà, mais j'aime beaucoup. Je suis contente de mon petit flash. Voilà, le cadre, ça a été quand même. Maintenant, je l'aime bien. Voilà. Il est un buzz, hein. Hop. Ensuite, j'ai fait ce colo-ci. Donc c'est de l'illustrateur, illustratrice, je sais pas trop en fait. Raen. Enfin, bon bref.
Ça faisait un moment que, voilà, c'est une illustration, blablabla, une illustration que j'avais prise sur Etsy. Et ça faisait un moment que je voulais la faire, et puis là-bas pour Halloween ça se prêtait bien, alors que je l'ai fait avant Halloween, clairement. Oui. Donc, au Prisma, Poly, Hybridali et Aquarelle Supervision pour le fond. Je voulais la faire en version mercredi un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit marque-tapage dans le mini-portrait. Donc j'ai fait Mickey avec les combos d'Ohana. Donc au Prisma. L'aquarelle en fond, c'est Sacha de Ava Calligraphy. Non, Sacha, ouais, Sacha là. Et ça, c'est du... C'est lequel de rouge? J'ai pris le Bloody Mary, je ne sais plus. Est-ce qu'il n'est pas sur celui-ci de... J'ai pris lequel? Je pense que j'ai pris Bloody Mary. C'est Bloody Mary. D'Ava. Voilà. Et Sacha pour le bleu en fond. Sinon, Hybridali. Voilà, c'est l'argenté cette fois-ci dans le bouton. Voilà mon petit Mickey. Voilà. Donc dans le bloc mini portrait. Ensuite j'ai entamé mon petit carré coco. Et je sais plus ce que j'ai fait. Comment il s'appelle? Ben, je sais pas. J'ai fait le fond acrylique noir. Personnage au Prisma. Et encore du Hybridali pour... Les petites fioritures là, voilà. Sinon c'est du Prisma. Comment elle s'appelle elle? Je crois qu'il y a la même illustration avec son nom. C'est Mama. Bon d'accord, c'est Mama. Voilà. Tchouk. Ensuite, dans le Axan Suga d'Anna Carlson. J'ai fait la sorcière aux citrouilles. Alors là, c'est du Prisma, de l'Hybridali. Hein, voilà, là. Et le fond, c'est des supervisions. Il y a du Stickles. Sinon, c'est du Prisma. Et il y a de l'Hybridali là aussi. Petite particule. Je sais pas comment me mettre. J'ai le trépied limite entre les jambes, c'est très pratique. Mais voilà. Pour ce colo. Deux saisons. Ça m'en fait un de plus dans celui-ci. Dans celui-ci, j'avais fait qu'une double page, il me semble. L'année dernière. Ouais, j'avais fait celle-ci l'année dernière. Hop. Allez. Ça, c'est fait. Ensuite, je suis allée dans mon vitro. Ah. Hop, là on va redénommer. Hein. Hop. Où j'ai fait Donald et Daisy. Où sont-ils? Voilà, comme ça me fait une double page de fête. Donc j'ai fait voilà Donald et Daisy. Alors, au Intense pour tout ce qui est vitro. Sauf ceci où c'est de l'aquarelle et c'est de l'aquarelle d'Ava, mais c'est c'était un test, un godet test. Alors attendez, où est-ce que je les ai? Faudrait que je leur fasse mon... parce qu'elles sont elles ont copulé les coquilles. Donc voilà, c'était voilà, le test 1, celui-ci que j'ai mis ici dans la rangée. Voilà. Celui-ci que j'ai mis là. Hop. Du Stickles plus... en plus du Stickles, j'ai rajouté un...
peu de ça. Le glitter marqueur d'action. Je sais pas trop comment ou les utiliser. Hein. Là, j'ai mis ça dans, sur ses paupières. Voilà. Sinon, bah, c'est Prisma. Combo Oana pour Donald. Il n'y avait pas Daisy. Donc, je me suis débrouillée. Et voilà. Sinon, ouais, c'est du Intense. Jelly Roll blanc en taille 10. Pour le blanc. Et voilà. Celui-ci, je l'avais commencé quand j'avais pas encore installé mon bureau, tout ça, et j'y arrivais pas en fait. J'ai besoin de. Voilà, mon espace. Voilà, c'est le premier que j'ai essayé de commencer en arrivant ici, et j'ai mis du temps. Hop. Et là, voilà, on a fini. Et là, c'est de mon encours. Bah, du coup, je sais pas si je vous le montre. Pas trop quand je l'ai posté. Non, je peux pas vous le montrer. Je peux pas vous le montrer parce que c'est pour le défi de Dizziac. Je vais juste vous montrer dans quel livre je suis. Je suis dans le nocturne. Donc j'entame un livre. Voilà, j'entame un livre. Et je commencerai la prochaine vidéo des colos terminés avec celui-ci du coup. Et ouais, je sors de ma zone de confort. Donc voilà. Donc je suis en train de colo là-dedans et normalement je vais le finir aujourd'hui. Normalement. Non, c'est même sûr. J'aurais même pu le finir. Enfin, non. Non, j'ai pas pu le finir hier soir. Mais il me reste pas plus guère. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.